La poésie, ça va débarrouler dans vos oreilles dans quelques instants, dans quelques minutes. Ça s'appelle un test micro. Est-ce qu'on branche le troisième micro AA 1 1 J'arrive chez toi, ville furtive et maladive, tout active sur tes rives, j'ai ce qu'il faut et j'esquive. L'histoire n'est qu'une question d'impact, d'impact. Les impacts des balles suivant les impacts des mots. Nous ne sommes armés que de stylos, mais prêts à faire plus de dégâts que la bataille de Waterloo. Rives explosives, nos dents ne sont qu'incisives, nous parlons tes décisives, nous parlons, nous parlons, nous parlons. Cette scène, ce tournoi Yes We Slam ce soir est à l'occasion et à l'honneur de la LSF, la Ligue Slam de France. Voilà, on fait cette scène en l'honneur de cette Ligue Slam de France parce qu'elle est aussi à Lyon, il y a aussi des membres de cette Ligue à Lyon. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce soir, tournoi, avant tout, est-ce que ça va? Vous êtes prêts ce soir, vous allez voir 8 slameurs de folie, 8 slameurs avec la bouche enflammée, 8 slameurs qui vont faire le tout, qui vont faire le maximum pour finir, il n'y en restera qu'un seul. La poésie est faite pour être partagée, donc partagez-la, partagez-la, partagez-la. Merci à toi. On lance un texte de calibrage. Synthétique, où es-tu synthétique? Faut-il avoir peur de la grippe AH1N1? Faut-il avoir peur du très cher vaccin? Faut-il avoir peur du froid de l'hiver? Faut-il avoir peur des enfants de misère? Faut-il avoir peur du cheval de Troie? Faut-il avoir peur de l'esprit des lois? Faut-il avoir peur de la guerre de Troie? Faut-il avoir peur de l'esprit gaulois? Du premier duel de venir vers moi, que les jurys se concentrent et ouvrent bien leurs oreilles. Savoir qui commence, qui donne ou prend la main, allez-y, Pierre Feuille Ciseau, Chifoumi, comme vous voulez. Honneur aux femmes. Alors, la meuf qu'on n'appelle pas, tu prends ou tu donnes la main? Tu la prends, elle la prend. Bravo. Ouais, j'ai pris mes ailes à mon cou pour échapper à la douleur. Je ne veux plus prendre les coups
mais m'effacer dans la candeur. M'a envolé, à en perdre son pouls. Je vais aller dans son cœur, mais il prend garde à mon courroux. J'ai pris les armes, un ton de crieur, mais ma volonté n'est rien du tout. Face à tous ces chamailleurs qui font de leur art un nunchaku. Avec la LSF, et oui, c'est ma troupe. Je suis là avec mon groupe, et j'aime quand on s'attroupe. Au bord des quais, je sais que t'es ok, j'ai juste envie de me lancer. Les rimes, arriver à les faire danser. Tel un enfant, te servir ce texte gros comme un éléphant. Mais ne crois pas que je me trompe quand je te montre mes défenses. Juste envie de te dire que je représente la Ligue Slam de France. Alors envie de te dire que je te tiens ici comme sur un bout de ficelle. La vie est-elle si belle qu'on en perd nos arcs en ciels dans un trou au point de ne plus les retrouver. Moi je suis venu avec tes mots et j'ai juste envie de te prouver que je suis là et je donne ça. Oui c'est avec mon cœur, tu pourras dire qu'ici je suis touché par un virus. Mais si le slam est une boisson, qu'est-ce que j'aime être aussi Sirius. Salsa enlacée à l'assaut de la belle, l'orgueil par valser au fond d'une ruelle. Quand à coup de pointe la mauvaise rencontre dépouillée et à poil, ne reste que ta montre. Dans la ville, chacun son rôle, chacun son business. Pas sur un pied d'égalité, la misère prend ce qu'on lui laisse. Rêve de rivière d'or, rêve de devenir riche et d'éclater la bourgeoise qui laisse faire son caniche son bout de trottoir. Toutes les mauvaises odeurs, et fais gaffe à ta voiture car rôde les orodateurs. Ce que la ville partage sans aucune discussion, c'est son air sale, son universelle pollution. Entends le chant des sirènes. Ulysse est policier. Dans une ère délinquante, il poursuit son épopée. Court après le délit, vole vers le voleur, chope le pauvre, sale, ça endiablé. La vie en ville ne sera jamais sobre. Quelqu'un qui ne bat pas pour toi. Tu te dis que tu as envie, puis plus, puis finalement, tu ne sais plus. Tout s'embrouille, tout se mélange. Ses yeux, sa belle gueule d'ange. Quand les sentiers de la terre se mueront en ruisseaux, quand des ruisseaux de pluie caresseront nos corps, quand nos corps chargés irradieront le plus, quand le moins de vos pieds avancera sans rien, quand vos riens en merci se changeront d'un coup, quand vous croiserez sur le bord des chemins non plus un mendiant ou un sang, mais une herbe, un sourire, quand sur l'écran télé les visages gagneront à être enfin nommés, quand celui que vous êtes obtiendra un prénom, quand pour tous les passants, les croisés, les voisins, vous gagnerez un blaze. Nous sommes nés des cris de l'oiseau tonnerre, de l'éther d'un temps décrit, de l'écrit amer d'une mère qui périt. Nous sommes nés, enfance poussière, accrochés à nos ailes rognées, fatigués comme la terre, sur le rêve d'un futur qui gémit, sur la fièvre d'une planète qui périt, comme une fronde sur l'ombre du vent. Nous sommes nés juste d'un printemps, car nous sommes notre propre poésie. Je suis un gibier en sursis. Responsable des premiers pas, je porte mes yeux en ecchymose marqués au fer. Je suis coupable. Je suis un chat en porcelaine qu'un simple reflet grise. Je m'attends pas à ce que l'orage faiblisse. Je prétends pas qu'un jour mon cœur grandisse. Je pourrais porter, même sous les ponts, toutes mes robes de princesse. Pas de trêve dans les tréfonds, mais des rêves loin des bassesses. Qui, trempé par la pluie, attend à la fenêtre la fin de la nuit. Laisse-moi sécher sur les boutoirs, il y en a d'autres. Là, petit voyage dans les villes de France pour la Ligue Slam de France. Attention, vous participez. Sur un bord, autoroute après avoir été lit, moi j'ai décidé un jour que je cassais la croûte de mettre ma vie en dents. Plus fort, en dents. Je voulais reprendre les rênes de mon existence en main, me battre comme un lion afin de pouvoir regarder mieux vers demain.
avec l'aval de ma foi et de la conscience qui m'anime, pour la première fois depuis une cava l'ancienne, j'ai décidé de vivre de mes rimes, car d'anglais en somme des seigneurs de château. Ouh. Elle n'aimait pas les mous l'un comme l'autre, on adorait Béziers de 3 à 7 les jours de canicule jusqu'à s'en faire péter les rots. Mais bon. J'avais voulu commencer un journal, mais écrire en prose rapidement pour moi fut infernal. C'est vrai, en prose je m'ennuie, et c'est pas tout rose. Je me mis à raconter tous mes récits d'adolescente et tous mes tourments, et sans que je sache vraiment comment, mes mots de prose glissèrent en vers, un peu comme un hommage à Prévert ou je ne sais de quel prodige avec du rythme, un peu comme en hommage à Coleridge. Putain, il était nul ce bisou, il n'y avait aucune passion, rien. Putain. Allez, Shifumi. Bah, mais toi tu le sors à combien là? Shifumi. Il se cache le chacal. Hey, monsieur Perrault, ton charmant là. Il est bancal. Mais où la musique, les nains, les oiseaux? Tous pareil. Même Charles Perrault, c'est un mytho. T'es là, tu kiffes l'histoire. Et d'un coup, tu te rends compte que le prince, il a pété son cheval et qu'il a eu beaucoup d'enfants. Sans toi. Et avec ta thune. N'oublie pas que tu ne dois pas tomber amoureuse, Pamela. Sinon, c'est la ruine. Je veux un mec et puis c'est tout. Qu'il soit bien juste normal. Je pense que maintenant je suis prête et que je peux prétendre à dépasser le stade de l'animal. Je l'aime. Désolée, mademoiselle. Et pas seulement en vertu de son sexe à pile. Je dois avouer devant vous ce soir quand même que je n'ai plus la vertu de supporter son petit sexe à pile. Faut dire que je l'avais bien cherché à ne jamais vouloir faire le jaloux, qu'elle a su trouver une faille pour me faire tirer une gueule de grand méchant loup. Elle a quand même mis plusieurs mois avant de se décider à me le présenter, et je n'ai pas tout de suite senti qu'elle avait touché une partie mentale de ma santé. Sentimentale je suis, je me dois donc ce soir de brûler le menton afin de militer contre ces quelques centimètres de plastique qui provoquent fièrement en vibrant ma propre virilité. Ceux qui cherchent le prince charmant, tapez deux. Ceux qui cherchent un gâte, tapez un. Allez, on se décide. On est à l'aise, là. Yes. Oui. Je prends là. La question est-ce que les filles sont plus complexées par leurs fesses dans le jury? Comment tu parles des fesses? Le jury a choisi. C'est vrai quand je les traite. La meuf. Okay.
organisé par la tribu du Verbe au Sirius, 3e et dernière édition de cette année, pour vous rappeler le gros événement slam de cette année, les Nuits du Slam, le samedi 22 mai à partir de 19h avec des scènes slam où vous tous, mais je dis bien vous tous, pourrez venir sur scène à la scène ouverte, nous faire partager vos idées, vos pensées, vos sketchs. Voilà, un tournoi et des spectacles autour du slam. Yes, oui.